Eh bien salut tout le monde et bienvenue sur le Couac Canapé. Comment vous allez? Moi ça va très bien. Aujourd'hui petit épisode de Let's Play de Spyro 3. Et aujourd'hui on va libérer le Yeti dont je ne me rappelle même plus du nom. Mais c'est pas grave, on le libère quand même. Oh, la sorcière a un vrai prix dans les mains. Une vingtaine de rhinos a été nécessaire pour capturer. Libérer la créature, d'accord. Petite cinématique où on libère le Yeti qui s'appelle... je sais pas. Je ne sais toujours pas comment il s'appelle. Le premier souffle revigorant de liberté. Avec l'humilité d'un moine blessé, je m'agenouille devant mon noble sauveur. Pas de problème, mec. Oui. Après tout, c'est quand même moi qui t'ai libéré. Hein? Qu'est-ce que tu dis, avare effronté, fourbe, urgide et malveillant? Une petite minute. Une dernière fois. Au moins. Accorde-moi l'honneur suprême de venir me rendre visite chez moi, dans un futur proche. Ouais. Vous avez vu, quand même, il est poétique, hein. Très poétique. Alors dans cet épisode, ça va être un petit peu, ça va pas être un petit peu spécial, mais on va dire que je vais faire l'épisode, le monde donc du Yeti. D'ailleurs, je ne sais toujours pas son nom. On va le savoir là maintenant. Bentley, ok, il s'appelle Bentley, cool. Je vais faire son niveau et on va aussi faire son niveau dans le niveau des bambous là qu'on n'a pas pu faire pour qu'on termine tout le niveau à 100%. Voilà, donc ça va durer un peu plus longtemps, mais c'est pas grave. On fait ça pour le fun, merde. Bon. Alors. C'est un gameplay qui est assez cool. Alors, on peut pas casser, je crois, avec ça. Donc, voilà, vous pouvez sauter avec croix, vous sautez pas très haut. Donnez des coups de matraque comme ça avec rond. Et avec carré, vous faites l'hélicoptère, là, comme ça. Triangle, ça fait rien. Bon. Voici le petit frère. Donc, ok, il faut que... on libère sa maison, je crois, c'est ça. Hein. Parce qu'il y a des rhinos qui sont venus faire les marioles. Bon. Et voilà, quand le chat vient vous faire chier, forcément c'est compliqué. Bon, c'est un petit gameplay qui est assez drôle. Alors, il me semble pas que... ouais, vous pouvez pas l'avoir ici. Alors, voilà, donc... en fait, l'hélicoptère, là, ça sert à renvoyer, par exemple, les missiles... pas les missiles, les boules de neige. Parce que les rhinos vous envoient des boules de neige. Par exemple, là. Ouais. Normalement, il est censé avoir un rhino qui m'envoie des trucs, là, je crois. Tu effectues un mouvement de... ah non, ok, d'accord, ok, c'est lui qui m'envoie. Il me semblait que c'était les rhinos qui envoyaient des trucs, alors peut-être qu'au prochain, ce sera ça, mais... hop, le petit œuf. Brian, where is Brian? Brian in the kitchen, motherfucker. Oh, bah il avait allé une libellule, le quoi. On récupère les œufs. Une libellule, un papillon, excusez-moi. Est-ce qu'on peut retaper ça? Évidemment. Alors, oh, regardez. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait des ennemis qui vous balançaient des trucs aussi. Oh, bah évidemment, ça s'arrête au bout d'un moment, je ne le savais pas. Que c'est resté à l'infini. Bon, c'est bien, on avance. Alors il est pas très rapide, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Oh putain. Alors là il se met à faire des zigzags, lui. Hop les niqué. Hey, on vous met la boule de neige, genre. Oui. Voilà, bon, on avance, on se dépêche. Parce qu'il me semble que... oh putain, je crois que ça allait être un coffre. Parce qu'il me semble que le niveau... oh putain, j'ai plus de vie là, il faudrait que je fasse attention.
Y'a pas moyen de regagner de la vie là, y'a pas une bestiole pour... Parce qu'il me semble que le niveau de dans les bambous, il est assez difficile, donc on va essayer de pas perdre trop de temps ici. Non mais chier qu'il y a plus Sparks là. Sparks c'est quand même pas mal pour récolter les diamants parce qu'il y a eu... Oh putain, y'a un machin là. Oh non, le con. Allez, prends-le, putain. Putain, je suis obligé de tout refaire le tour, merde. Donc ouais, je pense que... de ce que je me rappelle, c'est quand même... Il est quand même assez difficile son niveau de... des bambous, donc il faudrait pas perdre trop de temps si on veut pas que la vidéo dure trop longtemps. Putain, allez. Il est lent, mon dieu. C'est vrai que ça, c'est chiant. Par contre, il y a un niveau qu'à mon avis, je vais passer avec lui. Donc c'est dans ce monde-là. Où, en fait, je sais pas si les ceux qui ont déjà joué au jeu s'en rappellent, mais quand vous avez le combat de boxe de merde, le combat de boxe contre un autre Yeti là, enfin c'est un rhino bizarre, on va dire. Mais mon dieu, j'ai jamais vu un combat aussi difficile que ça. Ah, excuse-moi. Merde, ok, il faut pousser ça, je crois. J'ai essayé genre de donner un coup, tu sais, pour voir ce que ça faisait. Mais non, j'ai tué mon frère en plus. Bon, petit œuf. Charlie beat me. Donc ouais, le combat de boxe contre l'espèce de truc là, mais j'ai jamais vu un combat aussi difficile que ça. Et il y a un point de compétence, c'est gagner le combat en un round ou un truc comme ça, mais c'est juste impossible. Déjà en 3 rounds, c'est du miracle de réussir. Mais alors en un round, je comprends pas. Et c'est pas genre faut être fort au jeu de combat ou je sais pas, ou un truc comme ça hein. C'est juste, le combat, il est super déséquilibré à cause de votre portée, quoi. Vous donnez, vous, des petits coups de poing de merde, tandis que le rhino, il peut faire de ses manchettes de ouf qui vous touchent super loin. Ce qui fait que vous, vous pouvez pas vous approcher pendant que lui, il peut vous mettre 3 coups. Et à mon avis, ce niveau-là va beaucoup me faire rager. Il m'a beaucoup fait rager quand je jouais en solo, là, on va dire. Mais voilà, c'est quand même, ça sert de savoir un petit peu de... Oh putain, le connard! L'art de... Oh non, j'ai plus Sparks de nouveau, merde. Putain, mais y'a quand même pas qu'un seul... Quand même pas qu'un seul lapin dans le niveau, quoi. C'est pas possible, ça. Bon. Hop. Allez, on se dépêche, on court un peu. Oh putain, si je rate la porte, ça va pas le faire. Oh putain, je suis mauvais, là. Bon, là, il faut... Oh, y'a un lapin, j'ai cru, là, non? Ah, voilà. Hop, les... Eh oui, les enfants, si vous voulez vivre, il faut écraser des lapins avec une batte. Bon. Hop, voilà. Voilà, alors, il me semble que j'ai pris tous les diamants, hein. Et... Par contre, alors là, aucune idée de... Parce que je crois pas qu'on puisse... Ah, c'est impeccable. Hop! Allez! Hop, c'est la fin du niveau là. Hein. Donc logiquement. Si je chope tous les diamants, logiquement, j'ai le 100%. Voilà, impeccable. Là, voici une collection de pierres. Non, c'est un 9 espèces de crétins. Bon, il s'appelle Eric. Eric! Et il fait la roue et on l'aime bien. C'est parti, mon kiki. Il faut qu'on se dépêche. Hop, on a le niveau terminé. Impeccable. Par contre, je sors où là? Ok. J'allais dire putain, merde, il m'a fermé la porte, ce con. Mais non. 600 diamants, c'est pas mal. Ça augmente la cagnotte. Et là, on va donc aller au jardin de bambou. Terminer le niveau. Parce que on l'a toujours pas terminé, ce truc de merde. Hop, on se dépêche. De toute façon, là, ça va être un... C'est facile, c'est que du gameplay de... Bah, de Bentley, le Yeti. Jardin de midi. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas remarqué, le premier monde s'appelle Soleil Levant, le deuxième monde s'appelle Midi, le troisième monde s'appelle
crépusculaire, donc c'est d'ailleurs quand le soleil se couche, et le dernier monde s'appelle minuit. Coïncidence, je ne crois pas. Bon, pourquoi est-ce que je vais là, je ne sais pas. C'est pas là qu'on va, c'est là-bas. Jardin de bambou, jardin de bambou. Mon chat pète un crâne. Alors. Putain, merde. Jardin de bambou. Youhou. Donc, on monte le jardin de bambou de merde, là. Allez, putain. Entrez dans le jardin de bambou. Donc ensuite, il faut qu'on refasse le niveau. Ah non, tiens, je crois qu'on peut passer par là. Nickel. Enculé, bon. Nickel, on peut passer par là. Bon. Alors, par contre, il faut que je me rappelle. Il me semble que c'est là-bas. Il faut que je retrouve. Mais je suis con, non? Je crois que c'est. Non, c'est pas là-bas. Putain, merde. Bon, on va faire le niveau complet parce qu'en fait, je me rappelle plus c'est où le. Je me rappelle plus où il est le monde de Bentley, donc on va le. Ah, culé! Merde, j'ai plus de libellule là, c'est con. Oh là! Ah oui, il est là-haut, c'est bon. C'est bon, je m'en rappelle! Hop là, nous voici donc dans le monde de Bentley! Bon, c'est une belle journée, je sais pas quoi, on s'en bat les couilles. On avance, on se dépêche, bon. Ouais, ouais, on s'en fout. Alors, en gros, il va falloir monter le temple là. Là, 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 donc on va faire le tour. Oh putain! Là. On va rien oublier, on se dépêche. Allez, c'est vrai que c'est pas le gameplay le plus dynamique du jeu, mais au moins ça reste contrôlable. C'est pas comme Sheila, dont j'ai horreur de jouer avec. Alors, allez, parce que je sais pas s'il y a pas un truc là. Non, y a rien. C'est bon. Donc voilà, en fait, le niveau, ça va être voilà. Simplement les machins, il y a des pierres qui roulent et moi il faut que je les évite tout simplement. Donc il est pas très difficile mais il est un peu long. Oh l'enculé, il m'a sauté dessus, je m'y attendais pas du tout. Allez putain. Niveau secret là quoi. Tu les crèves. Ok, donc y'a rien là dedans. La petite OST est pas mal hein. Comment on monte là? Oh putain, on est obligé de passer par là, d'accord. Merde, du coup j'ai perdu une vie comme un guignol là. J'espère qu'il y a de la vie là parce que. Ça me tente pas de mourir et de devoir tout refaire en marchant à deux à l'heure là. Oh, il y a une vie là-bas. Nickel. Nickel, nickel. Bon, c'est bien, on avance, on avance. Oh putain, non! Eh merde, faut tout que je refasse, putain. Bah, c'est pas grave. Oh putain, il y a des cailloux par contre. En fait, vous voyez, c'est pas chiant, c'est pas long, c'est juste chiant, quoi. C'est juste chiant. Donc là, je vais passer par là. Au début, je croyais que c'était genre j'avais découvert un passage secret et tout, mais non, en fait, c'est le niveau normal. Donc là, rassurez-vous, c'est la fin bientôt là. Ok, d'accord, ceux-là, il faut pas les taper. C'est con. Mais non, mais c'est pas possible! Putain, et je redescends. Mais putain, maintenant, c'est à que de la TNT. Ça y est, il y a que de la TNT.
Oh putain, encore une vie, merci. Ah non, peut-être il faut que je fasse le carré comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, c'est casse-couille. A ton avis, je peux sauter par là? Ok, d'accord. Donc cela, ça marche pas. Donc, ça m'étonnerait que ça marche avec la TNT. Oh putain, il m'envoie des cailloux, c'est bon. Yes, on a tous les putains de diamants. Brubeck. Et on chope le dernier œuf du niveau normalement. Et voilà. 80 œufs. Les potes, regardez-moi ça. On a tout ça. Ah merde, c'est vrai que j'ai oublié de refaire le putain de circuit. Donc il manque juste l'œuf de circuit campagnard. Mais à la prochaine vidéo, je vous ferai une petite démonstration là du début. Comme quoi j'ai le putain d'œufs de circuit campagnard. Parce que voilà, celui-là il nous le faut. Parce que comme ça on aurait tous les putains d'œufs, tous les putains de diamants du niveau jardin de midi. Enfin du monde jardin de midi, ça serait vraiment le top. Donc voilà les potes, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et on se laisse sur ce superbe image de Yeti qui fait l'hélicoptère. Voilà. Allez, à plus.